Ensuite, il va falloir quelqu'un pour la guitare. Voilà, il y a des amateurs de guitare, dis donc. Evan, pardon. Allez. Mais tu peux le mettre dans ta poche si tu veux. Il va falloir quelqu'un pour la batterie. Ouh, la batterie s'intéresse. Alors, donc exemple, il y a une petite madame qui lève la main patiemment. Hop, le prénom c'est Luna. Et un chanteur, bien sûr. Oh non, je suis pas la même. Si, est-ce qu'il y a une jolie voix? Julio pour le chant. Allez, on vous applaudit quand même parce que vous montez sur scène. Juste avant de jouer, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut accorder les guitares, il faut sonoriser la batterie. Derrière Kurt, touche à ses boutons pour pouvoir régler le son. Vous allez voir, après on va pouvoir se défouler. Est-ce que c'est bon pour la batterie, Kurt? Ok, on peut arrêter la batterie. Maintenant, on va passer à la guitare. Elle est désaccordée, bah oui, c'est les aléas de la scène. C'est pour ça qu'il y a des balances, pour éviter que le guitariste joue désaccordé. Vous verrez en vous levant après, d'accord? Que devant le guitariste, il y a plein de petits trucs posés par terre. C'est ce qu'on appelle des pédales. C'est pour changer le son de la guitare. Avoir un son clean, avoir un son plus grave, avoir un son qui fait trou, 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 trou. Vous entendrez après. C'est bon? Donc il y en a qui font ça avec une machine exprès, et il y en a qui font ça avec les oreilles. Donc moi, je fais ça avec une machine, mais Mathieu fait ça à l'oreille. On va enchaîner avec la basse pendant que le guitariste s'accorde. Donc, la basse. Donc comme vous pouvez entendre, la basse a un son plus grave que la guitare. Est-ce que Kurt, c'est toi, c'est bon pour la basse? Nickel. Enfin, on va passer au micro-chant. Alors, t'es prêt? Alors, au micro-chant, c'est pareil, on va attendre que Kurt il fasse ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler. Et là, tu fais 1, 2, 1, 2, micro. Essaye. T'essayes? 1, 2, micro. Vas-y, continue. 1, 2, micro, essaye. Tu peux dire test. 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 Allez. C'est bon, Kurt? Guitare électrique est prête? Ok, alors attention, on va faire le test de la guitare électrique. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a un son plus grave, Mathieu, pour voir un peu à quoi servent les pédales que tu as à tes pieds? Ah, d'accord, ok. Parce qu'il faut que le cœur vérifie aussi la sonorité quand tu joues très fort. Donc c'est ça que je vous parlais, les pédales, pour changer la sonorité de la guitare. Alors, est-ce que la guitare est prête, Kurt? C'est bon? C'est bon. Alors on va pouvoir applaudir ces 4 personnes qui sont sur scène. Alors, attention, quelques règles. Quelques règles. Alors, donc déjà, un concert de rock, on évite le plus de rester assis, bras croisés. Parce que du coup, pour les musiciens, c'est pas encouragé. D'accord? Ensuite, à chaque fin de morceau, on les applaudit. Tu vas les abîmer. Et vous ferez des signes pour les encourager. Toi, juste là. La musique. Alors non, là c'est les musiciens, c'est le public. Comment on se comporte en tant que public? Faut bien se mettre, test. Faut vite. Faut taper au rythme. Exactement, faut taper au rythme de la musique. Premier comportement au concert. On ne reste pas assis. Des fois on saute, on peut taper sur les mains, on peut danser. Prêt. Ok, je t'en parle. Déjà d'une, faut avoir du voix, de la voix, tu vois. Faut à la fin du concert. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, c'est mieux quand même. Est-ce que mieux. Les musiciens sont prêts? Ouais. Alors, je sais pas
si vous en êtes d'accord ou pas, mais les musiciens, attends, c'était pas fort. On est d'accord ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, les musiciens? Ouais. On les applaudit bien fort.